Bonjour. Bonjour, bienvenue à Japan Expo. Est-ce que tu peux présenter ton bento, s'il te plaît? Alors, on a un karaage de poulet. Ouais. Ce sont des poulets marinés dans de la sauce de soja, du gingembre et du saké. Mm-hmm. Et ensuite frit. Oui. À côté, on a un poêlé de haricots avec du lotus. Mm-hmm. Et du tofu frit. Oui. Tout ça poêlé dans de la sauce de soja avec un petit peu de piment. Mm-hmm. Et puis une salade de d'algues et de tofu avec quelques crudités. Et du takuan, c'est du radis japonais dans de la semoule. C'est toi qui as fait tout ça? À part ça, oui. Ça a mis combien de temps? Sans compter la préparation, 2 heures ce matin. Et plus les découpages la veille et tout. Ok. Franchement, c'est sympa. Mmh. Bonne dégustation et bon appétit. Merci. Bienvenue et bon appétit. Bienvenue à la Japan Expo 2013. Alors, que peux-tu me dire sur cette édition 2013? Une édition fidèle à elle-même, hein, avec son lot de queues à faire. Ouais. Et un peu moins d'invités intéressants pour ma part. Mmh. Mais globalement, ça reste quand même positif parce que c'est toujours bon enfant. Toujours sympa de voir les autres discuter. Mmh. Mais voilà, c'est pour moi, il y a quand même moins de choses à faire que les années précédentes. Et donc, si tu as un message à faire passer à l'organisateur de la Japan Expo, la CFA, donc quel est le message que tu souhaites faire passer? D'être moins amateur dans la gestion des files d'attente et des dédicaces. Qu'est-ce que tu leur reproches? Je leur reproche tout simplement de mal gérer l'afflux. Oui. Et les tirages au sort. Le système de premier arrivé, premier servi est très bien, mais le système de tirage au sort, commencer les tirages au sort à 10h alors qu'il y a déjà un monde fou à 9h. Autant la commencer tout de suite, bon certes il faut laisser des chances à tout le monde, mais voilà, c'est à part ça, globalement ça va. Et sinon, comment as-tu découvert le site kukusakus.org? Alors comment j'ai connu à l'époque, c'était au début de l'internet, en naviguant par hasard, je cherchais des génériques rares, mm-hmm. Et par ce biais-là, je suis arrivé sur le lien kukusakus, et depuis, voilà, je connais quoi. Et donc, tu sais que malheureusement le site est venu payant, oui. Qu'il faut s'abonner 10 euros par an. Ouais. Mais bon, est-ce que tu perçois ça bien ou tu trouves ça injuste ou... Disons que ce que je recherche moi, j'ai tout, donc je vais plus pour que ça puisse maintenant. Mm-hmm. Mais ça me choque pas plus que ça, au contraire, il faut bien à un moment donné payer parce que d'avoir tout gratuit tout le temps, économiquement, c'est pas viable. Il faut bien payer des choses. Donc ça me choque pas, 10 euros par an ça me choque pas. Okay. Donc un message aux personnes qui n'ont pas pu venir à la Japan Expo, à tes proches. Venez l'année prochaine. C'est la fête. À bientôt. Merci bien.
Donc, plusieurs questions ont été sur scène aujourd'hui pour sauver le festival. Mais vu qu'on n'est pas sur la qualité, il y a un jeu, et c'est qui est le festival pour sauver le festival. Est-ce que vous êtes là tous les encouragés? Les encouragés! Des conseils qui ne peuvent pas donner comme on est. Dis-moi, ouais. Quel effet, rapprochez-vous, ouais. Quel effet ça te fait maintenant? T'imagines même pas. Quand je vais être devant là-bas, je me chie dans mon froc. On va aux toilettes avant? Il passe encore parce que là on va à la conférence. Là on va se poser. Poser pour manger. Ouais. Et donc là tu vois, c'est ça le fait. Le cœur va pas goûter. Et donc ma copine l'a tiré une fois, elle a gagné tout de suite. Même pas, c'est une fois, c'est bon. Ça va. Pour qui elle a tiré? Hein? Pour qui elle a tiré? Pareil. Vraiment, bon soir. Ah, bravo, bien joué. Nickel. Donc t'as été chercher ton ballon? Exactement. Et franchement, bravo. Pour toi, lui. Et merci pour toi. Merci. Et n'oublie pas tes questions. Ouais, t'inquiète, je l'ai bien en tête. L'arme à l'œil. Ah ouais, elle va sortir toute seule. Ton petit baisse. Prévois toujours plein de questions, on sait jamais. Ouais. Parce que des fois, tu peux en poser quoi, vas-y. Moi je vais me faire plaisir. Montre ce que t'as pris, ce que tu vas faire dédicacer. Un sac, oh, c'est super. Ah non. Ouais. Le truc des coureurs. Respect. Je vais te montrer l'intérieur. Non, non, ne l'ouvre pas, laisse-le, non, c'est bon. Oh. Non, c'est bon. Y'a pas de soucis. Non, je pense que tu es content. Ça se passe bien là? Ouais, ça se passe très bien. J'ai pris la version de luxe du manga, moi. Et donc un message aux fans de Ken. Et tu sais que tout à l'heure. Attends. En plus il y a un stand. C'est raconte-moi un manga. Ouais. Il y a des jeux vidéo. T'as vu? Ouais. Le mec, il a une collection de jeux au Kutonoken. C'est monstrueux. Ouais, j'ai pas vu ça. Je te montre. Ouais, tu vas voir, c'est super. Et le gars, il a fait comme moi, il a fait le tirage au sort tous les jours. Il a pas eu. J'espère que ce matin, il l'a eu. Parce qu'il le mérite. Ah, franchement, il le mérite. Quand tu vois la collection qu'il a. Mais faut pas le passer. S'il l'a pas, faut pas le passer devant et le dire tu l'as. Hein. Ouais, ouais, c'est. Mais j'ai filmé quand t'as tiré le jeton du dehors. Ouais, je t'ai entendu gueuler, j'ai gueulé aussi. J'ai gueulé avant toi. Oh. Tu l'as vu avant moi. Ah, oh, loulou, moi je le repose, je prends un autre. Oh, moi je voulais un rose. Du coup, t'as trouvé quelque chose après? Des conférences, trucs comme ça. Non, non. Tu es malade en fait. Voilà, je suis malade. Ok, c'est bon. C'est 15h, c'est ça? Oui. Et donc, allez, bon courage. Merci. Merci. À plus. Toi aussi. Ciao.
Enfin, propose-lui. Bah oui, je sais, j'ai vu. Ça va, ça s'est bien passé? Ouais, ça va. Ok, bon, c'est cool. On fait démonstration à 13h, 15h, 17h. Okay.